Bonjour Sébastien Julien, pouvez-vous nous parler de votre œuvre, de ce que vous faites? Alors, Sébastien Julien, donc moi j'ai écrit deux romans, deux thrillers. Donc un thriller psychologique qui s'appelle Dualité qui est sorti en 2018 et un thriller polar qui est sorti en septembre cette année en version auto-éditée qui s'appelle Le berceau du talion. Et qui sort donc, qui est sorti là depuis le 19 décembre aux éditions Nouvelle Plume François Zir. Quels thèmes sont abordés dans ce livre ? Alors sur celui-ci, en fait, je suis parti un peu dans tous les sens. Ça traite énormément de sujets, de harcèlement scolaire dans un premier temps, de suicide. De justice, d'injustice, de comportement d'avocat dans les procès, de cybercriminalité. Il y a une approche aussi sur le monde du sport professionnel. En fait, c'est une espèce de lutte de pouvoir. C'est un bouquin qui fait un peu le bilan finalement des différents pouvoirs qu'on peut trouver en fait dans notre société et de la manière dont ils peuvent s'affronter. Je le résumerai ainsi. Voilà, sinon bah, ça aborde des thèmes classiques du thriller, donc des crimes à des époques un peu différentes avec des enquêtes qui vont se croiser. Quels sont vos projets pour l'avenir ? Alors, les projets, bah, j'ai un troisième roman qui est écrit, qui est en cours de correction. Donc par rapport à celui-ci, Le berceau du talion, qui vient de sortir chez François Zir, du coup je vais me donner un petit peu de temps avant de le soumettre et de le préparer, mais l'idée donc là c'est de finaliser le troisième et de commencer l'écriture d'un quatrième. D'accord, eh bien merci. Peut-être montrer un petit peu. Voilà. Le berceau du talion. La version éditée chez Nouvelle Plume a les mêmes visuels, donc voilà. Très bien, donc vous pouvez le trouver sur France Loisirs, l'édition Nouvelle Plume.